ったら殺すと言ったよな。てめえなんで手を出した。自分の技を過信しすぎたか。何？こいつが。話は後にしろ。投げ達人巻き。だから殺すと言ったよな。やめた後は好きにしやがれ。こっちは何の用で気に去った。息抜きを。もう息抜き。本因坊周作を訪ねて広島をぐるっとな。墓にも行ったぜ。周作は子供のうちは因島じゃったが、お城を打つようになってからは江戸住まいやけ。故郷とは別に弟子たちが江戸にも墓を建てたんじゃ。知らん。シャバに出てきてはしゃいでんじゃねえよ。何か知ってんじゃねえか。来るなら殺すぞ、リンリン。仲良く行こうぜ、昔みたいに。Hey, bonjour à tous, ici le Salonic Rivesense, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1003 de One Piece. Le chapitre reprend donc la dernière action du 1002, c'est-à-dire que Luffy enchaîne le roi des bêtes avec une rafale de coups. La rafale de coups est tellement impressionnante qu'elle choque tout le monde, notamment Kid et Big Mom. Le fait que la technique de Luffy les choque, c'est vraiment très intéressant. D'une part on a Kid qui est censé être avec Luffy à la tête des supernovas au niveau des capitaines, parce qu'on ne compte pas Zoro qui est un second. Là, comme on le voit très bien, il y a une très grosse différence entre ce que fait Luffy et ce que fait Kid. En fait, Kid n'a pour l'instant pas d'évolution du haki de l'armement, donc il ne peut pas véritablement blesser le roi des bêtes. Et ensuite, ses techniques sont certes fortes, mais il n'arrive pas à enchaîner Kaido comme Luffy. Ça c'est fort parce que l'auteur met en évidence le fait que le futur des pirates allume le roi des bêtes comme jamais, ce qui est vraiment très impressionnant. C'est impressionnant parce que cela démontre clairement l'évolution du personnage. On ne parle pas seulement d'évolution du haki, mais également du fait qu'il est capable d'enchaîner une créature aussi énorme et puissante. Le fait que Kid le regarde la sorte, c'est aussi pour nous dire qu'il se rend compte que Luffy a creusé un certain fossé entre eux en termes de puissance. Kid, c'est vraiment quelqu'un qui recherche la puissance et qui a une certaine quête de puissance justement, et c'est parce qu'il a très bien compris que pour devenir le roi des pirates, qui est bien sûr son rêve, c'est ce qu'il lui faut en priorité. Malheureusement pour lui, Luffy a beaucoup trop évolué en s'entraînant avec Rayleigh et surtout en battant des ennemis très puissants, parce que vous le savez tous, c'est en battant des ennemis très puissants que l'on devient très puissant. Du coup, comme Luffy est ennemi de temps en guerre 4 et que Kid est clairement dégoûté de l'évolution de Luffy, et bien maintenant c'est Kid qui doit faire le travail en attendant que Luffy se relève. Alors oui, c'est peut-être ingrat parce qu'au final on sait que Luffy va combattre Kaido en 1 contre 1, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Au final, il n'y aura qu'un seul roi des pirates. Par contre, je ne dis pas que Kid n'aura pas son vrai combat contre un grand adversaire. En effet, il va certainement combattre Big Mom de son côté, même si je mise également sur une combinaison avec Trafalgar Law. Le fait que Big Mom soit choqué de la rafale de coups de Luffy, c'est également très fort, parce qu'elle se rend compte qu'il a énormément évolué. En comparant avec ce qu'elle a vu sur Whole Cake, elle comprend pourquoi est-ce que Cracker et Katakuri ont été vaincus. Je pense qu'elle avait l'image d'un gamin qui a eu beaucoup de chance contre son premier et troisième commandant. Finalement, elle comprend bien que Monkey D. Luffy a surtout gagné par la force de ses poings. Et d'ailleurs, elle comprend bien que s'il parvient à faire ça à Kaido, il peut très bien lui faire pareil. Maintenant, la question de la résistance se pose, parce que même si Luffy enchaîne Kaido avec une évolution du haki et avec une grande force brute, eh bien le roi des bêtes arrive à se relever plus ou moins tranquillement. Je dis plus ou moins parce que les coups ne lui font pas non plus rien au vu du regard qu'il jette. Pour Big Mom c'est pareil, parce qu'elle se prend une technique de l'eau, et même si on pouvait croire que la technique allait faire mal, eh bien non, parce qu'on la retrouve tranquillement sans blessure apparente. C'est vraiment là que l'on voit la différence entre des combattants puissants et les empereurs. Niveau résistance, c'est hors du commun. Trafalgar Law a envoyé
envoyé un gros counter-shock contre Big Mom, mais on la retrouve debout dans le plus grand des calmes. Bon, par contre, le problème que j'ai, c'est qu'il aurait pu envoyer un Gamma Knife qui est bien plus efficace. Le counter-shock, c'est ce qu'il a fait contre un Yeti Cool Brother, donc bon. À moins que, comme dit plus tôt, il attend son vrai combat contre Big Mom, qu'il aura avec Kid. On peut espérer un très bon combat, après que Big Mom ait allumé Killer, ce qui pousserait Kid à se surpasser. Du coup, la résistance est hors norme et c'est ce qui va poser problème pour la suite du combat. En effet, quand on se retrouve contre quelqu'un avec une résistance aussi grande, il faut trouver un moyen de l'avoir. Soit avec un stratagème qui vise à le bloquer, comme par exemple avec Oz, soit il faut l'avoir à l'usure en attaquant fortement de façon répétée, soit il faut utiliser un stratagème douteux comme la marine avec les menottes sur Marco, soit il faut trouver un moyen de frapper assez fort pour véritablement briser la défense adverse. En toute logique, avec le Gear 5, Luffy trouvera un moyen de frapper le roi des bêtes assez fortement. C'est vraiment avec une force brute des plus colossales qu'il parviendra à gagner. Comme on l'a très souvent vu ensemble, les empereurs ont tous à peu près la même puissance et chaque empereur est en principe capable de vaincre un autre empereur. Donc si par exemple on prend Newgate contre Kaido, Newgate peut gagner contre Kaido et vice versa. Du coup, comment est-ce que Newgate pourrait-il faire pour passer outre la défense du roi des bêtes? Effectivement, avec une énorme force de frappe. C'est pareil pour Shanks, s'il peut gagner contre Kaido, c'est avec une force de frappe très conséquente. On l'a déjà vu ensemble, ça passe forcément par un éveil ultime du haki de l'armement et par un éveil ultime du Haki des Rois. Parce que bien évidemment, le Haki des Rois ne servira pas toujours à juste faire tomber les gens dans les pommes. Rejoignez la team, éveil du Haki des Rois, il n'est pas trop tard, le train n'est pas encore parti. Oui. Juste après que Killer et Kid aient voulu attaquer le roi des bêtes, eh bien le roi des bêtes a utilisé une technique élémentaire en créant plusieurs tornades. Le plus intéressant, c'est ce qu'a dit Zoro. En effet, il a clairement dit « C'est une blague, une catastrophe naturelle de plus. » Et d'ailleurs, les tornades sont tellement violentes que Zoro a lâché le fil. Cette phrase est vraiment très 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 intéressante et je remercie fortement Zoro de l'avoir sortie. En effet, de par ce que crie Kaido, on sait clairement que Kaido utilise une technique. Donc, on sait clairement que Kaido est à l'origine des tornades, et pourtant Zoro dit quand même une catastrophe naturelle de plus. Comment peut-on interpréter cela? Eh bien c'est simple, rappelez-vous de la réaction de Zoro lorsque Luffy avait utilisé une évolution du Haki de l'armement. Il était surpris, il ne comprenait pas vraiment de quoi est-ce qu'il s'agissait. Eh bien là c'est pareil, Zoro se confronte à l'utilisation de techniques élémentaires et il ne comprend pas de quoi est-ce qu'il s'agit. En conclusion, il faut comprendre que Zoro ne comprend pas de quoi est-ce qu'il s'agit, et ce parce que le roi des bêtes utilise des techniques élémentaires en lien avec le Haki. Le Haki permet de contrôler les éléments. Zoro dit bien qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Maintenant, rappelez-vous du chapitre 0, lorsque le roi des pirates, avec son équipage, s'était confronté à l'équipage de Shiki avec une gigantesque armada en pleine mer. On nous a dit que la bataille s'était conclue par une catastrophe naturelle qui était une tempête. La tempête avait décimé l'armada et Shiki avait été blessé au crâne. Maintenant, gardez ça en tête, pensez au chapitre 1003. Et vous comprendrez. C'est simple, le roi des pirates ou un membre de son équipage, tout comme le roi des bêtes au chapitre 1003, a utilisé son haki pour créer une catastrophe naturelle. Le haki permet de contrôler les éléments. On en vient donc à ce qu'a fait Zoro dans le chapitre, parce que hormis sauver Luffy, ce qui en soit déjà très très bien, eh bien il a utilisé une technique de tornade pour contrer la technique de Kaido. Et là on voit clairement la différence entre une tornade faite avec des lames et la catastrophe naturelle de Kaido que Zoro nomme comme telle. Kaido a clairement confirmé ce qu'on a vu ensemble dans ma review du chapitre 1002. Cet étrange haki, c'est le katana d'Oden. Comme on l'avait vu ensemble, Enma s'est imprégné de la puissance d'Oden. Ce n'était que purement théorique, mais là c'est confirmé à demi-mot. Comme Zoro est assez puissant pour le manier, et bien il combat avec sa puissance à lui, avec ses techniques à lui et avec son maniement à lui, mais en supplément, il combat également avec une partie de la puissance d'Oden qui est dans Enma. Dans une théorie sur Zoro, j'avais dit que Enma était démoniaque, ce qui fera qu'elle a des compétences démoniaques. Beaucoup m'ont dit que non, mais finalement c'est confirmé, parce que la seule chose qui ferait qu'une lame puisse absorber de la puissance, c'est justement le fait qu'elle soit démoniaque ou maudite.
C'est comme vous voulez. Le plus important, c'est qu'il y ait des bagues surnaturelles qui entourent la lame. Et puis de toute façon, rien que le nom annonçait la couleur. Enma, le gardien des enfers dans l'hindouisme. Merci Kaido pour la confirmation. La fin du chapitre est incroyable parce qu'elle annonce enfin ce qu'on voit ensemble depuis un an maintenant. La forme hybride du roi des bêtes. En effet, on a beaucoup milité ensemble par rapport à ça. On a clairement dit, répété et répété encore et encore, que la véritable forme combative du roi des bêtes était sa forme hybride. En effet, ni sa forme humain classique, ni sa forme animal complète était la véritable forme combative du roi des bêtes. Monsieur Eiichiro Oda nous le confirme bel et bien parce que Kaido la dévoile en disant « On s'amuse bien, hein ?» Ça veut clairement dire ce que ça veut dire. Le roi des bêtes va enfin passer aux choses sérieuses. La semaine dernière, j'ai affirmé que lorsque sa forme hybride sortira, le véritable combat commencera. Et bien, au-delà de la rime, disons haut et fort que tout va bien. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.